Ça a démarré à 21h, ça a vraiment tapé fort pendant un quart d'heure, jusqu'à 21h15, 21h20, et après il a plu. Et en fait, la grêle a cassé les tuiles et la pluie a imbibé l'isolation qui fait que ce matin les plafonds étaient humides et sont tombés. Très impressionnant, ça n'est pas tombé de suite. On a été inondé dans un premier temps jusqu'en haut des chevilles. On a donc essayé dans l'urgence d'éponger un maximum, ça partait dans toute la maison. Et un petit quart d'heure après, on a entendu un grand boom et tout s'est effondré. On a des je ne sais pas combien de foyers qui ne vont pas pouvoir rentrer chez eux, qui vont se retrouver pendant un an à devoir être relogés. On ne sait pas où ils vont aller, on ne sait pas comment ça va se passer. Et si en plus les gens ne sont pas correctement remboursés, c'est la fin du monde, tout simplement.